Allez, salut, 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 voilà, c'est encore moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc abonnez-vous, voilà. Si vous voyez pour la première fois cette vidéo, abonnez-vous. Nous sommes sur la deuxième partie de la bourse de Berlin. Voilà, c'est une bourse allemande. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est une bourse qui rassemble un peu le système management, économie et puis mathématiques et en tout cas, tout ce qui est science. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie. Voilà, donc mettez vos documents toujours de façon numérique auprès de vous pour qu'on puisse mieux commencer. Voilà, et ce que je voulais vous dire aussi, nous avons un groupe WhatsApp de coaching. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent intégrer, voici le lien qui est là. Et puis, voici le numéro qui est là. Vous m'écrivez inbox et je vous montre comment ça se passe. Alors, donc, merci. Et puis, voilà, on va commencer rapidement la deuxième étape du remplissage. Voilà, donc pour la deuxième étape du remplissage, ce que vous disais, on a déjà fini de faire l'enregistrement. Donc si vous voulez, vous allez voir aussi en commentaire ou bien vérifier dans la liste de mes vidéos, vous allez voir la première étape qui est l'enregistrement. Donc on a fini avec l'enregistrement, nous sommes maintenant à la deuxième étape. Voilà, donc il faudra vraiment suivre la première étape. Sans la première étape, vous ne pouvez pas postuler pour la deuxième étape. Donc c'est un peu ça. Donc on y va et à tout à l'heure. Ok, donc comme je vous le disais. Voilà, donc je vous ai déjà montré le lien. Le lien est toujours en commentaire. Lorsque vous cliquez, vous allez d'abord vous enregistrer. Une fois que vous finissez l'enregistrement, voilà, vous allez dans votre boîte email, vous confirmez votre email et vous serez dirigé ici. Voilà, donc ici, vous avez vu qu'il y a plusieurs types d'applications. Il y a Executive MBA, Full Time MBA. Bon, je vais mettre en français, comme ça vous allez mieux vous retrouver. Je mets en français. Comme ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais mettre en français un instant. Voilà, donc c'est ça. Donc ici, si vous avez bien remarqué, on a quoi? MBA en ligne mondiale, on a master en gestion. Cela dépendra de ce que vous avez choisi là-bas. Voilà, nous là-bas, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi dans l'enregistrement, on a choisi Masters en gestion. Donc, c'est par là qu'on va lancer l'application. Donc, vous cliquez sur Masters en gestion et on verra ce qu'il y a à choisir. Donc, ici, on dit quoi? Application option. Please select an option. You can change your action later. Choose a program or subject. Donc, ici, Masters in management. Choose a class of course. Voilà, donc ici. On compte aller pour les études. Si on a eu cette bourse, on compte aller pour les études pour septembre 2021. Ok, donc c'est bon. Septembre 2021 et puis master en gestion, donc on peut continuer. Donc on continue. Voilà où ça nous envoie. Un instant. Donc c'est un peu ça. Donc vous choisissez l'élément que vous avez choisi lors de votre inscription. Voilà, même si vous n'avez pas choisi ça là-bas pendant votre inscription, ici vous pouvez changer, vous pouvez prendre autre. Voilà, cela dépend de vous. Ce que vous avez fait pour la première fois pour l'enregistrement n'est pas lié à ce que vous allez faire ici. Vous comprenez? Voilà, c'est seulement les données que vous avez mis là-bas qui sont liées. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, nous allons voir maintenant sur l'élément d'application et puis on va essayer de voir ce qui suit. Ok. Donc on dit vos réponses sont enregistrées automatiquement. Donc on va voir d'abord ce qu'on nous propose. Excusez-moi, mais c'est la connexion qui est un peu lente. Voilà, donc un instant, ça va venir et puis on va continuer. Donc on dit toutes les réponses sont enregistrées automatiquement lorsque vous remplissez chaque champ. Vous pouvez quitter et continuer plus tard sans perdre aucune progression. Donc ça, j'espère que vous avez déjà compris. Voilà, ça veut dire que si vous n'avez pas toutes les informations ou s'il y a des documents qui manquent, vous pouvez vous enregistrer et après remettre un document. Ça ne change rien, c'est pas grave.
Donc, comme je vous le disais, on va continuer ici. Donc, cette page, nous avons cette page. Voilà, donc on va continuer de remplir. Voilà, on va continuer de remplir cette page. Ici, il y a des éléments qui sont importants. Vous avez mis required, ça veut dire que c'est obligatoire. Voilà, et nous avons déjà rempli l'email et tout ça. Voici la date de naissance, nous avons déjà mis. Voilà, nous avons déjà fait tout ça. Donc, on va commencer par là. Donc, le gendre, c'est quoi? C'est masculin. Voilà, donc c'est mâle. Ici, et la nationalité, c'est Côte d'Ivoire. Ok, et autre nationalité, si vous avez autre nationalité, vous mettez. Maintenant, statut, vous êtes marié, non marié. Voilà, et ici, vous mettez par exemple comme ça. Attends, je vais mettre en français, comme ça on va mieux se retrouver. Ici, on dit le candidat non européen veut télécharger la page d'information principale de votre passeport. Donc ici, vous mettez les éléments de votre passeport ici. Vous comprenez? Voilà, donc, si vous tapez, vous cliquez deux fois sur le lien, l'élément qui est là, la page qui est là, vous cliquez deux fois, ça vous envoie ici. Et vous allez directement parcourir dans votre ordinateur. Voilà, vous allez dans votre ordinateur et vous choisissez votre page de... Donc moi je vais choisir ça, voilà, moi je vais choisir ça. Mais vous choisissez votre passeport, voilà, et vous mettez là. Donc une fois que c'est fini, vous déchargez le passeport, ce qui est là, et le passeport vient s'installer directement ici. Donc ce que je voulais rappeler, c'est quoi? Si vous avez bien vu, ils ont mis carte d'identité ou passeport. Donc si vous avez votre carte d'identité, ça veut dire que vous pouvez postuler. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, l'adresse où vous vivez actuellement, par exemple. Voilà, donc vous mettez l'adresse où vous vivez. Moi, je vais prendre ça, c'était pour un abonné. Je crois bien, je vais prendre ça. Ou bien, je vais prendre ce qui est là. Voilà. Mais si ils pensent ce qui est là, ils vont automatiquement mettre les éléments. Donc, je vais prendre. Je vais réécrire, ça sera mieux. Voilà, je vais réécrire comme ça, vous allez mieux voir. Donc ici, pour la ligne d'adresse, je vais prendre par exemple, bon, en Côte d'Ivoire, je prends mes coordonnées que j'avais en Côte d'Ivoire. Serge Kassi. Ou bien l'adresse, bon, je vais prendre mon adresse. Ah, c'est l'adresse que j'avais là-bas. Voilà, donc ligne obligatoire et la ville aussi. Je vais mettre Abidjan. Voilà, on considère que je suis en Côte d'Ivoire, donc c'est comme ça que vous allez remplir. Voilà, donc on dit code postal et tout ça, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire si vous voulez. Ok, j'ai fait une erreur ici. Je vais mettre ici. Si ça, c'est un code postal. Donc je l'ai mis à la place de l'adresse. Vous pouvez prendre ce qui est là, code postal, pour l'envoyer ici. Voilà, et l'adresse, c'est ce qu'il y avait mis au commencement. L'adresse, je mets par exemple ici. Appartement 4. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà, donc maintenant ici, code postal de campagne. Ici, c'est quoi? Allez voir. Ok, voyons voir. Avançons et je vais voir comment est-ce que... Donc, ici, des campagnes obligatoires. Ici, on dit quoi? C'est quoi? C'est adresse de campagne. Code de pays, code de ville et
d'euros. Par exemple, si tu es en Côte d'Ivoire, ça va être plus 225. Voilà. Plus 225, et puis mon numéro, c'est 29, 33, 12, 44. Voilà, vous mettez ça comme ça. Et ici, la malle, la Cameroun, France, Campagne, ici, Côte d'Ivoire, on voit. Voilà Côte d'Ivoire. Donc Côte d'Ivoire est là. Ok, donc maintenant on va avancer. Remarquez bien, il faudra que l'élément soit en vert. Voilà. Après, personnel, on doit passer sur application. Donc si c'est bon, ils vont nous laisser passer sur application comme ça. Ok, application. Mais l'élément est toujours en rouge. Et on nous dit qu'on doit remplir trois champs obligatoires. Donc on va les remplir avant d'avancer. Voilà. Ah, personnel, c'est le nom et prénom. On n'a pas rempli le nom et prénom. Tout ce qui est obligatoire, vous devez remplir. Donc j'avais pris quoi? J'avais dit que je m'appelais quoi? Je m'appelais comment déjà là? Poto. Voilà. Poto. Deuxième prénom, je n'en ai pas. Et dans les familles, j'avais mis Dico. Voilà. Donc ici aussi, j'avais pris Word. Voici. Alors, ça, c'est le mail du compte YouTube que vous voyez là. Voilà. Donc. Nous avons rempli maintenant les trois parties, donc j'espère que ça sera en vert. Si ce n'est pas en vert, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini. Voilà. Donc vous remarquez bien, personnel passe en vert, ça veut dire que ça va. Donc vous passez maintenant sur application. Application, on dit quoi? On dit veuillez choisir votre apport qui est obligatoire. Ici, nous avons choisi un master en gestion et nous allons pour septembre 2021. Veuillez choisir votre piste. La piste, voyons voir, on a combien? On a gestion innovante, on a gestion innovante et puis on a entreprise qualitative. Donc, on va prendre gestion innovante. Voilà. Veuillez nous donner une description franche de vous-même en soulignant vos forces et vos faiblesses et les principales expériences qui ont eu un impact sur votre développement personnel. Veuillez donner des exemples. Voilà, ici c'est comme une lettre de motivation comme ça. Voilà, c'est comme une lettre de motivation. Donc c'est à vous maintenant d'écrire votre lettre de motivation. Vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes, vous comprenez. Voilà, vous pouvez vous-même créer vos lettres de motivation. Et ici, donc pour pouvoir avancer un peu plus rapidement, on dit veuillez donner une description franche de vous-même en soulignant vos forces et vos faiblesses. Donc, je peux commencer par, je me nomme, la famille lettre majuscule. Je me nomme Dico Poto. Ça, c'est pas mon nom, mais c'est pour vous aider à remplir. Je me nomme Dico Poto. Remarquez bien, c'est 5, c'est, le total c'est 350 mots. Voilà, donc, je me nomme Dico Poto. Et par exemple, si je vais pour le master là-bas, ça veut dire que j'ai fini la licence. Je viens d'obtenir une licence en économie. Je vous rappelle très bien que vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes. Voilà. Vous faites ce que vous-même vous avez et puis ne faites pas de copier-coller. Je me nomme Dico Poto, je viens d'obtenir une licence en économie, option audit par exemple. Voilà, option audit. Option audit. Et comme ça,
suite aux recherches. Recherche effectuée sur Internet. Et suite aux recherches effectuées sur Internet, j'opte pour 7 bourses. 7 bourses allemandes. Ça, c'est un exemple que je dis. Vous comprenez? C'est un exemple que je souligne. Parce qu'on vous dit de faire une description franche de vous-même. Voilà, en soulignant vos forces et vos faiblesses. Vous comprenez? Et les expériences qui ont eu impact sur votre développement personnel. Donc, j'opte pour cette bourse allemande car, d'après mes recherches, donc je vais mettre par exemple ici sur Internet. Sur Internet, je vais mettre point pour ne pas que on ait une longue phrase. Donc essayez de raccourcir un peu vos phrases pour ne pas maintenir pour ne pas entonner. Voilà, si je veux dire ça comme ça. J'opte pour cette bourse allemande car d'après mes recherches, virgule, ok, elle permet une suite favorable. Favorable à mes compétences en option. Je vous dis très bien, je fais ça sur le coup, donc vous concentrez-vous très bien. Voilà, avant de pouvoir l'écrire. Vous voyez, cette partie est très importante. Donc, elle permet une suite favorable. Elle permet une suite favorable. Donc, on enlève S à mes compétences en option. En option gestion et audit. Maintenant, vous pouvez leur dire ce que vous avez fait. Si vous avez fait par exemple un stage et tout ça, donc ici, contenu de mon stage dans une entreprise. Je vous dis très bien, ne recopiez pas ce que j'ai écrit parce que je fais ça sur le coup. Voilà, vous devez mieux faire. Voilà. Donc, compte tenu de mon stage dans une entreprise. Compte tenu de mon stage dans une entreprise au pays, je me suis chargé. Je suis chargé
d'une compétence. D'une compétence que je juge d'une compétence fiable, mais que je juge incomplet. Une compétence incomplète que je juge fiable, mais je me charge d'une compétence. Je me suis chargé d'une compétence fiable, mais que je juge incomplète. Voilà. J'espère que vous écrivez très bien, c'est ce que je vous ai dit. Concentrez-vous et puis voilà, écrivez très bien. Maintenant, moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est juste un exemple que je voulais donner. Et ici, on dit qu'est-ce qui compte le plus pour vous et pourquoi. Donc ici, qu'est-ce qui compte le plus pour vous et pourquoi. Donc si j'ai choisi le thème de d'option audit, et voilà, donc si j'ai choisi l'option audit et gestion, qu'est-ce que je peux dire en fonction de cette option. Donc ce qui serait important pour moi, c'est de faire quoi, c'est la régularité, voilà, et la clarté de toutes choses en entreprise. Voilà, donc qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Suite au cours et stage obtenu ou stage exercé suite au cours et stage exercé, ce qui compte le plus pour moi est de terminer par un titre d'expert comptable. Ça c'est un exemple. Voilà. L'expert comptable. L'expert comptable. Et pourquoi? Afin de vérifier la clarté et la gestion. Et la bonne gestion en entreprise. Voilà, suite au cours et stage SSC, ce qui compte le plus pour moi est de terminer par un titre d'expert comptable afin de vérifier la clarté. Donc vous pouvez corriger, bon, s'il y a des éléments qui sont là, par exemple économie, ils veulent quoi, ils veulent que je mette accent. D'après, ils veulent que je mette accent. Compétence, ils veulent que je mette accent. Incomplet, ils veulent que je mette accent. Compétence, ils veulent que je mette accent. Ici aussi d'une, comme ça. Et vérifier, ils veulent que je mette accent. Clarté aussi, ils veulent que je mette accent. Voilà, poto c'est un nom, donc ça reste comme ça, ils ne savent pas. Donc, c'est ce qui est là. Maintenant, ici, comme ça, on me demande de veuillez préciser vos objectifs de carrière à court et long terme et comment le programme de maîtrise en gestion de l'ISM vous aidera à les atteindre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vous voyez là, par exemple, vous comprenez, ce que vous voyez là, c'est comme une lettre de motivation ou bien une lettre d'intention. Voilà, donc c'est à vous de faire pour vous. Voilà, pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec votre matière que vous avez choisie ou bien avec la filière que vous avez choisie. Voilà, moi je remplis parce que si je ne remplis pas, je ne pourrai pas avancer. Voilà, ou bien même si parce que si je ne remplis pas, je ne pourrai pas postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais
pour ce qui va suivre, je vais juste donner des appréciations, je vais juste donner des recommandations, comme ça vous-même vous allez pouvoir postuler, vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc ici on dit de préciser vos objectifs de carrière à court terme et à long terme. Voilà, donc à court terme c'est l'histoire d'audit, voilà, et puis à long terme je veux être expert comptable. Maintenant, comment est-ce que le programme de maîtrise en gestion vous aidera à les atteindre? Voilà, je sais que à l'ESMT là-bas, il y a une bonne technique d'apprentissage. Vous prenez tous les exemples sur cette partie de cette université ou bien cette partie de je vais mettre le lien en commentaire en ce qui concerne l'ESMT. Comme ça, vous allez prendre toutes les informations et par rapport à ces informations, vous allez pouvoir les confronter pour pouvoir écrire vous-même votre essai ou bien votre lettre d'intention ou bien votre lettre de motivation. Parce que si je veux continuer, c'est pas maintenant que je vais finir ici. Ce sera un peu très long et la vidéo sera très 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 lourde. Donc ici, programme de boost IMST ici. Veuillez vous familiariser avec les options de bourse sur notre site et choisissez oui si vous souhaitez concourir à une bourse. Oui, vous allez concourir aussi à une bourse. Voilà. Donc, ici aussi, vous allez donner tous les éléments pour pouvoir postuler à cette bourse. Vous comprenez? Voilà. Veuillez nommer le programme de bourse que vous voulez postuler et tout ça. Le programme de bourse, quand on a commencé dans les premiers instants, vous avez vu tous les types de bourses là-bas. Voilà, donc vous les remplissez ici aussi. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas, il y a toujours dit, nous avons un type de coaching en ligne que vous pouvez nous joindre d'abord sur WhatsApp et puis par rapport à cela, on va toujours vous aider pour les bourses qu'on met en ligne. Voilà, donc ici, contest éducatif et résultat du test. Voilà, donc ici, veuillez fournir à l'USM une description de votre formation précédente. En commençant par votre diplôme et tout ça. Vous comprenez? Donc, le niveau, ici, le niveau de diplôme, ce que vous avez, par exemple, voilà. Ici, on dit ajouter une autre réponse dans le coin inférieur droit. Veuillez noter que... Et puis ici, on dit les copies du ou des relevés de notes des diplômes ou des certificats en traduction officielle en cas échéant de tous les programmes énumérés seront requises dans la section téléchargement obligatoire. Voilà, donc ici par exemple sélectionnez une option, le niveau de diplôme que vous voulez faire, c'est quoi, c'est masters ici, titre du degré. Par exemple, master en commerce, nous n'avons plus master en économie, gestion. Voilà, donc vous mettez là, ici, nom de l'institution, ici, et ici, type d'institution, lien vers le site web de l'institution, ici, pays, région, ici, ville, domaine d'études, voilà. Donc, les éléments qui sont là, vous les remplissez normalement, c'est pas... Si je veux faire, c'est ce que je vous disais, si je veux les compléter, ça sera tellement, tellement, tellement lourd pour pouvoir vous envoyer cela. Donc, je suis en train de juste de vous montrer comment ça se passe. Voilà. Et puis, quels sont les éléments qui s'y trouvent. Donc, une fois que vous finissez là, vous venez sur expérience professionnelle. Expérience professionnelle, je sais que vous savez déjà ce que ça signifie. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez fait des stages, vous avez travaillé ailleurs, si vous avez fait quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça là. Veuillez utiliser cette section pour lister toute expérience professionnelle que vous pouvez avoir, y compris les stages. Voilà, donc c'est ce que je disais, les bénévolats en commerce, en commençant par la plus récente. Voilà, donc vous pouvez mettre là. Si vous avez une expérience professionnelle, vous pouvez mettre là. Voilà. Et puis, vous mettez votre CV ici. Vous comprenez? Vous mettez votre CV là. Vous téléchargez le CV. Vous venez sur parcourir. Ça va dans votre ordinateur. Vous choisissez le CV et vous l'indiquez ici. Voilà.
donc je vais mettre annuler parce que je vais pas continuer. Donc vous mettez le CV. Voilà, une fois que vous mettez le CV, vous mettez le nom de l'entreprise où vous avez travaillé, leur site internet, si vous l'avez, le type d'expérience. Voilà, si vous avez travaillé en tant que vous avez eu quel poste dans le type de stage que vous avez fait et quelle ville et le pays aussi. Voilà. Donc tout ça vous remplissez tout. Et après cela, vous venez dans recommandations en ligne. Ça, on a déjà fait. Vous avez la possibilité d'envoyer votre demande de recommandation maintenant ou de télécharger une lettre de recommandation dans l'onglet suivant. Pour envoyer la lettre de recommandation maintenant, veuillez remplir les coordonnées de référence choisies pour inviter le référent listé ou soumettre le formulaire de demande ISM. Donc ici, il y a deux options. Ici, pour la lettre de recommandation, il y a deux options. Soit, c'est ce que je vous disais, soit vous faites une lettre de recommandation de vous-même pour une personne, bon, grâce à une personne genre un prof et tout ça, voilà, et vous téléchargez ça ici, voilà, ou vous téléchargez ça ici, ou bien, si vous voulez, vous remplissez directement les coordonnées que vous avez vous-même pour la lettre de recommandation, la personne, la demande de référence n'a pas été envoyée ici, prenons de la personne qui vous recommande son nom de famille, son adresse email, où il travaille et tout ça, et puis il occupe quel poste. Voilà, si par exemple un nom de famille, une personne, et puis son adresse email, je mets l'organisation, je mets par exemple comme ça université d'Abidjan, je mets son poste, je mets professeur de mathématiques, bien professeur d'économie. Et maintenant, une fois que vous finissez, vous envoyez la demande par ici. Voilà. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire en ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, téléchargement de recommandation ici. Vous savez que vous l'avez déjà écrit, vous avez déjà la personne vous a déjà envoyé sa lettre de recommandation, mais qui a été tapé sous Word et puis téléchargé en PDF. Donc la personne vous envoie et vous mettez ça ici. Vous comprenez? Avez-vous une recommandation préécrite que vous aimeriez télécharger? Tu mets oui et puis l'élément vous permet de télécharger ici. Mais avant de télécharger, vous devez mettre tous les éléments de la personne ici. La personne ici, non, son nom et prénom, nom de famille, où il travaille, université, si vous voulez, ou bien il est docteur en quoi. Voilà, titre et poste, il est docteur en économie ou bien en finance, vous mettez tout ça. Voilà. Donc, son numéro de téléphone, son adresse email, contexte de relation, par exemple, il a été votre prof de mathématiques, ou bien c'est votre cousin, ou bien c'est votre frère. Voilà. Mais ce que je vous conseille, ne mettez pas frère et cousin et tout ça, mais soit un professeur, votre professeur, il a été votre professeur de mathématiques, un truc comme ça. Voilà. Donc ici, vous remplissez la lettre de recommandation ici. Donc vous allez dans votre ordinateur avec Parcouri et vous prenez la lettre de recommandation pour l'envoyer sur le site. Voilà, vous faites comme pour le premier instant ce que j'avais fait là-bas. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ici, pour la lettre de recommandation, il y a deux éléments. Soit vous le mettez directement en ligne, c'est-à-dire ici, voilà, recommandation en ligne. Si vous ne pouvez pas les mettre en ligne parce que vous n'avez pas encore parlé de cela à la personne qui doit vous recommander, alors vous prenez ici téléchargement de recommandation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va finir de l'écrire et vous envoyer par mail, et vous aussi vous allez remplir ça ici. Donc tout ce que la personne va mettre en tête de la lettre de recommandation, vous les réécrivez ici, vous comprenez, vous les réécrivez là et vous téléchargez cette lettre que la personne vous a envoyée grâce à l'espace qu'elle a. Voilà. Donc une fois que vous parcourez ici, vous allez voir l'élément et vous allez cliquer sur téléverser un fichier. Vous allez télécharger ça pour mettre sur leur application. Voilà, donc j'espère que ça va. Si vous avez besoin de postuler, cette bourse est très importante. Donc si vous avez besoin de postuler et que vous ne comprenez pas des éléments, vous pouvez nous écrire pour un coaching. Donc ici, maintenant, on arrive à la déclaration. Je fais une demande d'admission au programme de maîtrise en gestion de l'ISM Berlin. Je comprends que la décision de m'offrir une place relève de la seule autorité de l'école et que sa décision administrative est définitive. Je confirme que les informations fournies dans ma candidature sont exactes et véridiques. J'autorise par la présente ISM Berlin à effectuer une vérification des antécédents de mes informations d'identification sans préavis afin de prendre sa décision d'admission. Je comprends
que l'IRSN Berlin se réserve le droit d'annuler toute offre d'admission si j'ai omis des informations pertinentes ou donné des détails faux ou incorrects. Enfin, je confirme que je n'ai pas échoué ou été expulsé ou exclu, radié de tout programme d'études menant à un master de sciences. Donc ici, je suis d'accord, oui. Et maintenant, une fois que vous êtes d'accord, vous pouvez avancer. Vous voyez que c'est un vert. Et on arrive sur le thème de paiement. Le thème de paiement, c'est pas un élément de paiement en tant que tel. C'est juste pour le paiement de 50 euros pour l'admission. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est pour l'admission. Donc, ceux qui disent tout le temps qu'ils n'ont pas d'argent et tout ça, c'est pas la peine de pouvoir postuler à cette bourse. Voilà. Parce que ici, une fois que vous finissez tout, vous allez payer 50 euros. Vous allez leur payer 50 euros avant qu'ils ne prennent votre document en compte, qu'ils ne prennent votre poste en compte. Vous comprenez? Et pour pouvoir postuler, c'est sous forme PayPal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le titre PayPal, vous pouvez m'écrire en inbox. Je vais vous montrer comment ça se passe. PayPal, vous pouvez télécharger l'application PayPal aussi et vous abonner PayPal, vous créez un compte PayPal, vous mettez de l'argent sur PayPal et vous le payez avec PayPal. Vous comprenez? Vous payez avec PayPal. On dit que vous serez dirigé sur la page PayPal pour terminer le paiement. Vous comprenez? Voilà. Donc pour finaliser le paiement, vous ici à votre demande et cliquez sur le bouton soumettre pour terminer votre demande. Vous comprenez? Voilà, donc lorsque vous allez cliquer ici, ils vont vous diriger sur PayPal. Voilà, ils vont vous diriger sur l'application PayPal et c'est de là-bas que vous allez payer votre PayPal. C'est juste un lien. Voilà, c'est juste un lien. Moi, j'ai un compte PayPal. C'est juste un lien. Vous allez vous payer par PayPal et vous revenez sur le site pour dire OK, c'est fini et c'est confirmé. Et ils vont prendre en compte votre dossier. Si vous n'avez pas d'argent sur le champ, vous pouvez d'abord attendre. Voilà, vous ne pouvez pas soumettre, vous pouvez attendre. Et après, une fois que vous avez fini de payer, vous allez maintenant continuer. Ici, par exemple, on dit, nous n'avons pas pu effectuer votre compte place pour que PayPal fonctionne à nouveau, vérifier. Donc, il vérifie mon compte PayPal. J'ai un compte PayPal, c'est parce que j'ai un compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, rien ne va s'afficher. Vous allez, par exemple, bon, donc ici vous rentrez ici pour votre compte PayPal et tout ça. Mais si vous n'avez pas de compte PayPal, je vous ai dit, vous pouvez m'écrire. Je vais vous montrer comment est-ce que on fait pour payer sur le compte PayPal. Voilà, donc moi je vais me retourner, je vais repartir sur le compte et c'est comme si j'ai déjà payé. Voilà, je reviens sur le compte. C'est comme si j'ai déjà payé. Une fois que vous finissez de payer, vous allez voir que ici va faire. Ici, ça sera bien en bleu foncé qui va dire nous fait parvenir. Donc, quand vous cliquez là, vous allez voir que votre demande sera prise en compte. Et ça sera tout pour cette bourse. Et c'est comme si vous avez postulé à la bourse de l'Allemagne. Et vous attendez. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que la bourse prend fin le 26. Voilà, donc faites un peu l'effort de faire un peu plus rapidement. Ok, donc comme je disais, voilà, c'est une bourse qui est entièrement financée, mais ça va dépendre de ce que eux ils vont vous proposer. Voilà, si vous avez cette bourse, ça va dépendre de ce que eux ils vont vous proposer. Voilà, donc soyez un peu plus patient et puis postulez. Ceux qui ne maîtrisent pas le type de PayPal, parce que c'est le seul lien qui les relie. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez me faire signe et puis voilà, puis je vais vous aider pour voir comment est-ce que vous pouvez postuler. Voilà. Je vais créer un compte pour vous. On va créer un compte ensemble pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir postuler un peu plus simplement. Et n'oubliez pas, vous voyez le numéro qui sort là. Voilà, vous pouvez me contacter pour un groupe de coaching. Vous pouvez être dans le groupe de coaching pour qu'on puisse mieux vous coacher pour pouvoir postuler. Alors, donc, c'était un peu ça, c'était Zamospita. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis laissez-moi un pouce bleu. Et à plus.